Bonsoir tout le monde, merci d'être choisi Télévision Nationale d'Haïti pour informer ou bienvenue dans l'édition Nouvelle ça. Pourquoi il est là, c'est moment pour nous recevoir collaborateur Wilner Polidor pour conditions météorologiques journée. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble jeudi pour prévision météorologique là. Nous sommes en fin de semaine, c'est début de week-end, nous souhaitons un bon week-end à chacun de vous. Et hier soir, tu as en pile la pluie sur plusieurs départements, surtout dans le département du Sud. On a alors comment la situation est pour jeudi, pour demain et pour dimanche. Nous avons fond froid noir qui trouvait vraiment sous les Bahamas et font ça lui causer une masse d'air qui est humide et instable sous le pays d'Haïti. J'en ai sous image vapeur d'eau ça. Même si font ça gain pour dissiper au cours de week-end, non, mais humidité qui gagne sous le pays a après provoquer activité la pluie sous le pays d'Haïti encore jeudi. En journée, en soirée, au cours de nuit là, et j'en ai sous image de précipitation ça. Département cap concerné, c'est toujours centre Artibonite, hein. Département de l'Ouest, hein. Grand dans sud et puis sud-est, hein. C'est-à-dire toute région sud là ou bien péninsule sud là concernée par activité la pisao pour jeudi à soir au cours de nuit là. Et la pisao a persisté encore pour demain, mais pour demain c'est si tout. Région sud pays d'Haïti cap gain activité plus activité la pluie et département de l'Ouest aussi a concerné par la pluie ça demain qui samedi, mais la pluie ça va diminuer par rapport avec dimanche et le lundi n'a commencé gain beau temps sous pays d'Haïti par rapport avec toute activité la pluie qui tombe pendant semaine là et par rapport à hier soit gain en pile la pluie sur région sud et lundi région sud département grand sud sud-est Nippe, ensuite à l'Ouest gagne possibilité pour gagner quelques zones qui capables inonder et c'est pour ça demander moun yo rete vigilant par rapport avec activité la pluie pendant week-end ça et puis rete veatif si tout côté ka gagne éboulement glissement de terrain et inondation sous zone nous sot cité là pour capitale là c'est un capital qui en bas instabilité par rapport avec mazère là qui était humide et situation là la persister au cours de soirée à demain et après-demain ça veut dire n'a pas attendre nous avec activité la pluie encore jodi a sous capitale avec zone qui environne lieu et sous majorité quartier yo et la pluie ça je nous dire il y a au cours de nuit là et en soirée et même pour demain et après-demain nous gon température jodi a qui monte jusqu'à 35 degrés et j'en noter il était fait chaud hier et jodi encore la fait chaud et aussi la nuit là température a descendre jusqu'à 22 degrés et n'a toujours senti effet de chaleur parce que 22 degrés c'est un peu chaud par rapport à la normale qui compte gagner. Et pour page maritime là, nous gagnons mer qui agité sous côte nord et côte sud, mais c'est plus au large, mais golfe de la Gonave, pas rien trop souci pour mieux naviguer, mais l'air prend le large, faut qu'il prend précaution parce que la pluie que nous prévoyons capable réduire visibilité à sous pays à. Et pour page astronomique là, soyez là couché jeudi à très tard à 7h06 et la pleuvée demain matin à 6h33. Mesdames, messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous avons croisé lundi pour une autre page météorologique. Bon week-end à chacun de vous. Merci William Polidor. J'en ai annoncé l'antide président public là, Jovenel Moïse, rivé dans le pays Pérou matin. Dans le cadre de participation dans le 8e sommet Amérique là, 13 à 14 avril 2018 là. Gouvernance démocratique face à la corruption, c'est pral thème sommet ça. Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay pral di nou plis depuis Lima, capitale Pérou. Télévision nationale d'Haïti, bonsoir. Nous présents dans Lima, dans le pays Pérou, côté président République Jovenel Moïse pral gen pour passer deux jours dans le cadre 8e sommet. Pays qui na Amérique, président République là qui gagne avec lui une délégation qui gagne première dame République là madame Martine Moïse, ministre affaires étrangères haïtien Antonio Rodrigue qui gagne deux conseillers avec lui avec membre bureau communication Palais et puis télévision nationale d'Haïti. Et bien thème qu'a bien pour débattre pendant deux jours sommet et des Amériques pays qui na Amérique 13 à 14 avril qu'a venir là. Et bien thème principal là c'est pour la gouvernance démocratique face à corruption. Gagner l'autre sous thème tout cap débat en atelier côté yon vingtaine l'autre chef d'état accompagné président république là dans atelier ça yo sous thème ça yo divers parmi yo nous capable citer éducation. Nous capables citer tout promotion pour égalité entre femmes et garçons. Nous capables citer tout promotion pour gagner un plus bon code de conduite et pour fonctionnaires yo.
nous sommes capables de parler puisque y a parlé de corruption gagné et des points yo pral aborder tant que blanchiment l'argent yo pral gagné pour parler de financement parti politique que Haïti déjà rentré dans quatre démarches ça et dans atelier autour yo pral gagné pour débattre sur financement campagne électorale. En gros c'est expérience ça yo président république là pral partager expérience Haïti avec l'autre pays qui fait partie Amérique là. Pendant tous deux jours, le président Jovenel Moïse a bien pour participer dans le débat. Et le président de la République, qui a retourné dans le pays lundi 16 avril, qui a venu là, a fait un coup de pied dans l'État Floride, côté de Miami. Le président de la République a bien pour le rencontrer à la communauté haïtienne dans la diaspora. Télévision nationale d'Haïti avec vous. Chaque jour, nous avons un sommet pour faire vivre différents points qu'après le débat en atelier. Nous avons toujours été branchés Télévision nationale d'Haïti pour connaître ce qui a passé ici, là, dans le Pérou, à travers différentes interventions nous et puis interviews nous. C'était avec vous depuis Pérou, Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Premier vol en compagnie aérienne Spirit Caraïbes Haïtien Fort Lauderdale là inauguré jeudi 12 avril là. Yon cérémonie déroulée dans l'aéroport international Cap-Haïtien en présence président de la République là Jovenel Moïse, première dame là Martine Moïse, ministre Travaux publics, Transport, Communication en Fritz Kayo, parlementaire Noah et plusieurs autres personnalités. Inauguration vol ça d'après président de la République là pral aider dans vente potentialité zone ça. Pendant l'annonce, ils ont ensemble mesi pour poursuivre avec différents chantiers qui commençaient dans Grand Noa. Ils ont bout dans la déclaration président Jovenel Moïse. Dit mon nan nan que fierté que rien orgueil. D'ailleurs, citadelle la Ferrière nous connait les représenter pour nous dans département ça 2020 cap fait citadelle la 200 ans, cap fait la ville Cap-Haïtien 350 ans. Nous avons une grosse décision. Mon décision que nous campions derrière pour nous construire un téléphérique, c'est ton promesse de campagne. D'ailleurs, je me dis tout le monde, tout ça me dit dans la campagne, là, m'a fait tout net. Pour le fait, l'État supposé jouer rôle de catalyseur. Je dis, non seulement le pays a ouvert pour business, mais l'État là pour accompagner tout le monde qui a l'idée. Et pour moi, l'idée qui est bonne, l'État porte là ouvert pour vous par intermédiaire. Et c'est même genre avec Spirit Airlines. Qui te prend gros décision pour venir au Cap. Porte là ouvert, pas de personne qui a bloqué, personne qui décide de venir faire business dans le pays aujourd'hui. Parce que les gens qui sont dans le pays, le groupe de gens, ils parlent pour accompagner tout le monde qui décide de venir créer un emploi dans le pays d'Haïti. Seulement pour le fait, nous avons besoin de stabilité. Pas de développement sans stabilité politique. Mon cap connaît, je le nous promettre, n'a respecté promesse. Route là, asphaltage pour le déraper, pour nous asphalter, Kankok pour arriver vos doigts. Route Kafou la mort, pour arriver pour neuf là, je passe là dans avant hier, après la semaine dernière, je vois que route là, parti ça fin crasé net. Nous prenons décision pour que dans le cadre de caravane changement, chaussée ça, il refait immédiatement. Et ceci, nous voulons parler à Moun Nano pour ville au Cap-Haïtien, qui sont villes touristiques. Là, moi-même, de Timoun, il y a deux bateaux qui ont débarqué dans le port au Cap-La chaque semaine. C'était Bohème avec Skyward. Jodia, port ça, tout le port commercial. Il y a des grosses décisions qui peuvent prendre dans le niveau de l'État pour que nous mettions port ça dans la condition. Pour nous recevoir bateau pour arriver, je voulais parler de bateau touriste pour arriver dans la ville. L'autre information dans le journal là, sous initiative Commission Justice et Sécurité Sénat, membre Conseil supérieur police nationale, a participé jeudi 12 avril là, dans une séance convocation sous question sécurité pays. Dans l'occasion, le président Sénat Joseph Lambert fait connaître sécurité, c'est un point important pour un pays développé. Le président de la République l'a précisé, séance ça a permis de connaître comment la situation de sécurité pays a été et puis décision yo capable prendre pour limiter zak insécurité yo particulièrement dans zone métropolitaine nan. Sénateur Joseph Lambert dans micro Fedner confident avec Moïse Wilwich. Invité ensemble avec tout votre membre CSPN yo mercredi dernier. Fort malheureusement des difficultés auxquelles vous faites face
et qui était empêché de venir et répondre présent à l'invitation, ça, ce que vous avez notifié nous par lettre et que l'Assemblée a été en connaissance lettre. Sur insistance de l'Assemblée des sénateurs, nous avons adressé en deuxième correspondance pour que Jodia ait arrivé dans le Sénat République là avec le reste membre CSPNO pour nous engager débat ça et échange ça en tant que responsable d'État sur la situation qu'a développée. Président Commission Justice et Sécurité publique Sénat a dressé un tableau sombre sur la situation sécurité pays pendant le dernier jour. Sénateur Sénatus, mode exécutif là, prend toute disposition pour adopter Bonjour Mézi pour contrecarrer l'action bandit. Nous invitons à suivre un bout de déclaration. Président, depuis le mois de février dans le pays d'Haïti, nous avons commencé à enregistrer au niveau commission plusieurs petits actes. Dans Grand Ravine, nous avons enregistré la disparition d'un journaliste, un jeune journaliste, Vladimir Le Gagneur, qui lui-même a soulevé plume sur un pile papa avec maman petite en de société qui a investi pour faire petit yo vin devenu des professionnels. Des gros zins qui pétaient entre plusieurs chefs gang, yo chaque qui réclamait tête yo comme chef, soit en corridor, yon impasse ou bien ou riel, et la liberté circulation population pas respectée à tel enseigne, gen yon moun kap travay dans la police là qui sont sourds-muets, li tombé parce que le traverser frontière yon nan zone sa yo, yo pren le comme yon espion. Ça veut dire que nous tous concernés parce que toute couche en dans société a concerné. Je dis à nous venir là, nous relais CSPN non. Pour nous garder ensemble avec lui, qui s'est passé dans Miragouane, qui permet un jeune garçon qui est Robinson François, l'y assassiné en date du 15 février 2018, car il y a un monde qui a fait politique qui relaie Amatas Jean-Philippe. Nous besoin qu'on est comment faire policier tomber, blessé en bas de l'assassin. Nous, ça paraît comme s'il n'a pas retenu attention, opinion en vrai. Nous besoin qu'on est président, 250 Galil, dans la période de transition entre président privé et président Martelly et privé, qui disparaît. Nous t'es touché de ça. Côté 150 Galil Sayoye, non mais qui est Sayoye? Est-ce que Galil Sayoye au service de l'État ou bien est-ce que compte l'État dans le fonctionnement? Nous voulons qu'on est président avec CSPN, non? Qui ça a fait pour Grand Ravine, population Grand Ravine, non, aller en souffle en bas, mais moun qui a des âmes qui a fait ou passer misère? Situation sécurité pays stable, contrairement à sa réseau social a véhiculé, selon le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, qui a participé à la rencontre convocation Sénat. Premier ministre Lan prend comme exemple carnaval à Krara qui était organisé dans le pays, côté pas de gain aucune difficulté. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a annoncé diverses dispositions que le gouvernement prend pour renforcer la situation sécurité pays. Il y a excellent micro fait en confident avec Moïse Wilbridge. Les nouvelles sont amplifiées par la technologie et je veux parler des réseaux sociaux. Depuis fin octobre, début novembre, côté que au parquet des cas de sécurité en série, dans aucun pays dans le monde, côté que au cas de ça, qu'il y a zéro insécurité. Bien sûr, il y a un peu de travail pour nous continuer à faire pour nous renforcer la police nationale, moi, comme je dis, qui est de plus en plus professionnelle. D'accord? Nous sommes passés en décembre, côté que le peuple est sorti, côté diaspora rentré dans le pays. Hein? Pas aucune bavure qui fait pendant décembre. Nous sommes passés les dimanches pré-carnavalesque.
côté que serviteur nous a parlé avec moi. Nous descendons presque sans sécurité, nous descendons dans la bande. Ma jambe n'a aucune crainte que le combat est arrivé. Effectivement, nous avons tout dimanche pour le carnaval sur le passé. Avec zéro mort, nous sommes passés au carnaval. Côté que dans Port-au-Prince, bilan c'est zéro mort que nous avec des blessés mineurs. Ça, je pense que c'est en preuve que. J'ai oublié de décrypter, c'est pas ça que nous. Nous sommes passés en période de la rate, côté peuple à travers le pays. Peuple à musée. Dans le Léogane, par exemple, c'est une première fois que les gens qui ont 10 ans, 15 ans, ils ont marché dans la rue, ils ont rentré dans la rue, ils ont gagné à musée, ils ont tourné. Dans le pays côté que nous résidons actuellement. C'est confiance ça que la population commence à gagner. C'est confiance ça que l'étranger commence à gagner pour le pays. Côté que les familles haïtiennes qui viennent passer vacances dans le pays, ils ont rentré avec des étrangers qui viennent passer vacances avec eux. Ils viennent rentrer avec des petits blancs qui sont mis petits jours. Ils ont rentré et viennent passer vacances dans le pays. C'est parce que vous commencez à sentir que mon bagage est fait. Bien sûr, il y a un petit problème que nous-mêmes nous déplorons. Chaque fois qu'un haïtien qui tombe, ça fait nous mal en pire. Sénateur Banodeka qui montait depuis 2016. Monsieur, nous sommes aujourd'hui matin, monsieur, vous parlez. Ma balle dans le travail. De l'heure est sorti la caille pour m'arriver dans le bureau. Tu as entendu 15 kidnappings au matin. Mais entre temps, la police nationale est venue beaucoup plus efficace. Et son fléau, que nous continuons à batailler contre le fléau, ça, pour que Haïti arrive dans le cas zéro kidnapping. Bref. Nous avons un peu de travail pour le faire, certes. Nous-mêmes au niveau du CSPN, on nous va parler à huis clos tout à l'heure, mais féliciter la décision sénateur qui représentait quand même encore le sage pour nous parler des problèmes, n'est-ce pas vrai, des problèmes vraiment. Et d'importance nationale, des problèmes de sûreté nationale. Mais nous devons faire intervention ça pour nous parler avec Haïtiens, Haïtiennes. Pour nous dire que, je veux dire, au plus haut niveau de l'État, il y a une équipe qui travaille. L'équipe ça est là pour corriger police nationale et profiter de l'occasion pour moi qu'à remercier tout jeune garçon et jeune fille qui décide de faire partie de toi ça. Nous connaissons que le n'y a qu'à faire notre bagaille, mais on choisit pour servir des livres. En pile dans le tombé dans les opérations, parce que la République a très reconnaissant. De yo. Ce sont des travailleurs de la patrie. Et je dis, hein, son corps qui est professionnel, qui a continué à renforcer, professionnaliser ça. Et problème de sécurité qui gagne, hein, nous avons dit, des cas isolés au fur et à mesure. Pour l'ISA, avec moyens que nous-mêmes, nous avons mettre à disposition. A fini et puis avec la participation de la population bien sûr parce que c'est tout le monde qui fait pour être capable d'impliquer dans l'insécurité n'a pas arrivé à Haïti d'ailleurs côté que nous capable d'attirer les investissements d'attirer les touristes pour venir dans le pays.
Conseil supérieur police nationale l'a convoqué devant commission justice et sécurité publique chambre députée pour vendredi 20 avril cap venir là pour al bay parlementaire yo explication sur situation sécurité pays a. Président commission Jean-Marie Florestal fait connait gen en pile préoccupation par rapport à réalité sécurité pays a dans zone métropolitaine là. C'est raison principale convocation CSPN là. On suit. Comme il a été annoncé, le CSPN a gagné pour venir dans la salle commission, chambre députée, pour expliquer sa situation d'insécurité qui a valé terrain dans la capitale haïtienne, et pas seulement dans la capitale haïtienne, dans la ville provinciale tout. Donc, je vous dis, écoutez, hier, nous apprenons que Kafou Difou a un riverain qui tombait en babal. Et hier encore, en plein jour, entre 2h et 3h, eh bien, bandits débarquaient non coopératives du côté de Bassin Bleu, dans mon département. Eh bien, ils descendent en sécurité, ils prennent tout l'argent qui gagne et ils tirent les gens sur tout le parcours. Là. Et voilà que les policiers qui sont sortis pour le prince qui et travaille la tortue, monsieur Moui, on va battre le bandit. Donc, c'est pour comprendre que l'ampleur que l'insécurité apprend, mais nous-mêmes, comme autorité qu'il a pour contrôler et autorité ça qu'il a pour protéger vie avec bien population, est-ce que nous avons été, même j'en avais au bois croisé devant le phénomène? Non. C'est ça que fait nous dit, nous user de prérogatives, ça a constitution pour nous, pour nous relayer, pour demander explication dans nos populations, pour dire ça qui a passé comme ça dans le pays. Hein. Est-ce que la population est livrée? Est-ce que la population lui-même il doit mettre dans la situation pour le bailler de justice ou bien est-ce qu'il y a une autorité qui prend défense li devant bandits qui prennent en otage? Donc c'est ça nous parlons là, d'aplacer pour demain vendredi 20 avril. Là. L'autre nouvelle, la directrice générale ministère de l'Environnement, Nicole Yolette Altidor, qui était un CLI responsable direction éducation, inspection et direction éducation et surveillance environnementale là. Roni aura procédé avec déploiement 29 agents environnementaux qui pral travail dans 11 communes département Nord-Ouest là pendant une cérémonie qui déroulait dans délégation départementale Nord-Ouest là. Marc Idiosam pour plus de détails. Éducation environnementale, gestion ressources naturelles, surveillance environnementale, identifier problème environnement à faire face, bonne gestion environnementale qui gagne rapport avec gestion bassin versant et puis lutter contre pollution, c'est principale mission agent environnemental Sayo pour gain pour accomplir. D'après directrice générale ministère environnement, madame Nicole Yolette Altidor qui fait connaître initiative ça rentrer dans cadre renforcement capacité institutionnelle ministère. Pour le renforcement de la capacité institutionnelle du ministère et le développement d'une relation harmonieuse et de proximité entre le MDE et les différentes communautés du département du Nord-Ouest, le ministère de l'Environnement a pris la décision de déployer cet après-midi des agents environnementaux sur tout le territoire national, devant assurer désormais la représentation du ministère à l'échelle communale et à travers des différentes sections communales. Agent environnemental Sayo qui pour le travail en étroite collaboration avec élus locaux doit mettre autour à l'écoute population pour un plus bon travail selon madame Nicole Yolette Altidor. Nous vous invitons à vous mettre à l'écoute des populations, les différentes communautés dans lesquelles vous serez déployés. Directeur départemental environnement qui conscient ministère ça pas existé dans le département de cela depuis plusieurs décennies t'es profité fait du mandat avec DG ministère. Je vous demanderai de faire graver le ministère de l'environnement dans la mémoire de toute la population du Nord-Ouest par des actions concrètes à effet durable et transformateur qui apporteraient un nouveau visage à l'environnement du département. Diverses autorités locales qui étaient participées dans la cérémonie de déploiement, 29 agents environnementaux saillants dans le département Nord-Ouest souhaitaient initiative ça par résultat. Puisque à cause d'environnement qui finit crasé dans le département, la cause population a pas suspendre compter cadavres dans glissement terrain qu'a écrasé de l'eau sauvage dans le moment la pluie. Depuis c'était Capo la mort pour de paix, Marc Eddy Osam, antenne télévision l'État. Merci Marc Eddy Osam. Magistrat Kafoua Jude-Edouard Pierre nan tête yon délégation visité mercredi 11 avril la sous d'lo ak grotte nan tête Dikini. D'après magistrat, visite sa gen pour objectif sensibiliser plusieurs secteurs nan commune lan sou importance sit yo.
Magistrat Julien Pierre encourager population dans zone là protéger environnement yo extrait dans micro TNH. Nous font visite guidée pour évaluer situation difficile environnement zone ça qui abritait une plus gros patrimoine villa qui c'est tunnel de Tikini qui était construit en 1940 par président Seigneur Vincent 78 ans après. Eh bien, nous voyons que c'est un côté qui n'est pas totalement abandonné, mais qui est assez, qui pas vraiment gagné, qui est assez exposé pour la population. C'est quand même ici là qui construit sur 1,5 km de long et environ 2,4 à 2,5 mètres de large. Un tunnel qui est aussi long, qui prend toute l'eau dans la zone, qui allait jusqu'à sous Bel Air. C'est là, par le national, toute institution dans cette ville-là, c'est là que nous sommes. Je dis à nous que toute zone est bien totalement construite de manière arrachée. Tout pied bois fini coupé et il y a un tarissement justement de sources là, de sociaux, et ça arrive considérablement débit qui est supposé alimenter. Même les gens dans la zone dit qu'il y a un bon kiosque pour jouer de l'eau. Il n'y a pas de l'eau pour jouer de l'eau parce que c'est là et le tunnel là. Denan 3 Katel candidat pour diriger parti fusion des sociodémocrates haïtiens ba yon conférence jeudi 12 avril là pour exposer situation parti politique là. Conférence a réalisé une semaine avant 3e congrès national parti fusion des sociodémocrates haïtiens. Ansi Mars dans un reportage. Ou rele en moi les gon bagay ki pa fort bien, les bagay ka mal passé. Pedrika Saint-Jean, candidat pour poste président dans Katel jeunesse là. Quel est important pour grandir dans un parti politique là, bah j'ai une possibilité pour prouver compétence. Candidat dénoncé plusieurs articles dans le règlement parti là, il dit quelque même pas respecté. Pour un monde candidat pour membre directoire parti, il faut ou gagner 5 ans de vie militante au sein du parti. Et nous voyons que gagner des candidats au sein du cartel Innovation qui pas membre parti. Et même si tu as membre parti, récemment, il y a beaucoup gagné 5 ans de vie militante dans le parti. Nous voulons parler de monsieur parce que pas camarade, parce que nous pas web badi, nous pas web fusion li, nous beaucoup gens moi dans activité parti, nous beaucoup gens moi viennent participer dans une réunion, c'est monsieur Prince Sanson Pierre et monsieur Jean Huganris que vous mettez tout qui pas des membres parti. Nous même nous dit non, il y a pas respecté article 5.2 qui dit comment pour un monde vienne candidat pour directoire parti. Député commune Dondon, Daniel Hermogène, critiquait transparence, il dit qu'il n'a pas gagné dans le processus électoral là, en dedans parti fusion social-démocrate haïtien. Parlementaire encouragé, comité qui a mené l'élection pour faire preuve de tolérance à couverti. Nous dit que comme parti démocratique, nous avons certaines valeurs que nous défendons. Tant que nous toujours allés dans l'élection, nous avons des bagailles que nous défendons, nous pas accepter, nous contester le conseil électoral pour ça qui dit. Et bien, je dis, nous même dans la structure par nous, dans la structure éterne partie, nous dit que les bagailles qui n'ont pas marché, il faut que nous tenions compte de ça, que l'équipe ça qui l'a même écrit et que nous pas respecté. Et je dis, quand elle s'est nous décidé, ben, conférence ça pour nous dire qu'elle soit sacrée réussi dans le prochain congrès. Nous-mêmes, nous condamnés pour nous vivre ensemble, pour yon courir l'autre, d'ailleurs, c'est parti, hein, c'est ça qui est belle dans le temps. Nous disons que ancien yo, nous besoin de cadre humain. Et c'est eux-mêmes qui forment nous. C'est eux-mêmes qui orientent nous. Les grandes orientations du parti, et également toutes données qui sont dans le statut, dans le règlement intérieur, c'est eux-mêmes qui nous, c'est eux qui partagent avec nous. Eh bien, nous disons, il faut que vous ayez chance pour gagner l'alternance dans le parti, hein, pour même capable toujours encadrer nous. Sorti 20 pour arriver 22 avril 2018 ça, parti fusion social-démocrate haïtien t'a dû réaliser 3e congrès national li. Pour élection ça yo, c'est 3 cartels qui nan course là. Cartel Innovation ak Edmond Suplice Bozil candidat pour poste président, cartel Réconciliation ak Pedrika Saint-Jean candidat pour poste président et puis cartel Jeunesse là ak Daniel Hermogène candidat pour poste président. Coordination départementale parti politique unité exige dirigeants organiser congrès dans Patia yon façon pour élire un nouveau comité qui doit diriger et puis mettre plus stricti dans parti unité. Responsable communication coordination départementale unité en Patrick Sevrin Kwe, parti politique yo doit renforcer ak militants qui travaillent dans 10 départements pays a extrait dans micro 5 croix paki que militants
cap goumen dans parti ça depuis bien longtemps cap goumen qui cap goumen pour permettre que parti a vini un parti moderne et toute parti cap goumen dans pays a pour moderne je pense que ça qui fait force parti a c'est renforcer à travers des congrès qui gagne dans parti a pour renouveler et ou bien mettre confiance dans équipe cap diriger parti a et jodi a là nous gagne unité qui vient très longtemps n'a goumen et peut-être que pour nous comment que nous ca réaliser un congrès dans parti a qui gagne difficulté à travers couloir pour les dirigeants nous même jodi a nous dit que nous même à travers et militants à travers tous les départements nous lever voir nous bien haut nous dit dirigeants jodi a nous prêt et nous voulons congrès fait dans parti a nous même pour nous renouveler mandat nous pour nous bailo mandat pour diriger parti a et renforcer parti a à travers jeunes filles, jeunes garçons qui en dans parti a. Nous même comme militants, c'est nous même qui pour mon parti a, c'est nous même qui moteur parti a. Nous commencer faire travail ça à travers la presse, nous commencer faire dans dans parti a, nous commencer faire dans section communale yo, nous commencer faire dans département yo. Jodi a pour permettre que congrès réalise dans parti a dans jour qui va venir là. L'autre nouvelle responsable rectorat Université d'État d'Haïti a ajouté une nouvelle école dans liste discipline et faculté qui fait partie Université d'État d'Haïti. L'école ça a porté nom École d'optométrie et sciences de la vision. Selon doyen faculté médecine et pharmacie Jean-Claude Cadet, première promotion l'école ça qui déjà commencé travail, il y a 19 étudiants. John Herbie Casseus a dit nous plus dans un reportage. Première promotion l'école optométrie et sciences zéro, il y a 19 étudiants. 8 filles, 11 garçons. Jeune Sayo a bien pour passer 4 années de formation dans l'école là qui chita dans l'espace Sciences de la Santé, oui Oswald Durand dans Port-au-Prince. Contrairement à l'ophtalmologue qui étudie pour faire opération et traitement pour les gens qui font glaucome, cataracte et l'autre maladie dans le jeune Sayo prend la formation pour détecter et évaluer la maladie Sayo. Selon le doyen faculté médecine et pharmacie, Dr Jean-Claude Cadet, ophtalmologue a bien pour travailler sur référence. Service optométrie, nous connaissons que c'est des agents de santé. Ils ont sorti dans l'école de médecine, nous apprenons une maladie qui a un rapport avec yeux. Parce que nous avons une série de maladies comme le diabète, tension, anémie falciforme, sida, qui ont une série de réactions dans les yeux. Donc c'est tout ça que nous devons prendre en compte pour nous caquimber la population haïtienne en santé. Docteur Jean-Claude Cadet fait connaître. Gen pipiti 20% dans la population qui souffre de maladie G. D'après lui, l'initiative s'est rentrée dans le cadre des matchs menés pour permettre plus de spécialistes dans le domaine en Haïti une façon pour qu'ils détecter et traiter maladie G et bonnet quand les gens qui malade. Nous prenons une pause dans le journal, là, pas déplacé, nous retournons. Dans le pays l'autre bord de l'eau, il y a une éventuelle action militaire qui a gagné en tête le président Trump avec soutien la France et puis probablement le Royaume-Uni menacé frapper le régime d'Hamas. Le ministre de la Défense américain Jim Mattis fait connaître les États-Unis à continuer à consulter alliés sur le dossier ça, et spécialement dirigeants occidentaux. Nous invitons à suivre un reportage. Une année après la première opération militaire américaine contre le régime syrien, occidentaux menacé frapper le régime d'Hamas. Qui démentit toute responsabilité dans l'utilisation des armes chimiques. Le ministre de la Défense américain, Jim Mattis, a exprimé inquiétude face à des dirigeants occidentaux. Il y a une préoccupation tactique. Nous ne voulons pas la cause de l'autre civil perdre la vie. Nous voulons faire tout ça que nous pouvons pour éviter ça. Nous avons essayé de mettre un bout à détruire la vie des innocents. Et sur un plan stratégique, l'État voulait dire éviter une tension côté de la perte du contrôle. Là. Officiellement, aucune décision finale pour quoi adopter. Entre-temps, les États-Unis continuent à consulter alliés. Nous avons quelques options possibles, mais rien pour décider. D'après le porte-parole Maison Blanche, Sarah Sanders, perspective une action militaire qui a gagné en tête le président Trump et soutient la France et puis probablement le Royaume-Uni inscrit dans un contexte de tension avec la Russie. Alors que les relations étaient déjà dégradées depuis l'affaire ancien espion russe Sergei Skripal qui était empoisonné dans le pays Angleterre. Dans le dossier sport football, Baltimore contre Tempête Saint-Marc, c'est Braille rencontre choc 11e journée dans le championnat national première division, qu'a fait dimanche 15 avril à Saint-Étienne-en-Parc le Velt Saint-Marc. Et puis à l'étranger, Ligue des champions, Real Madrid de joindre sous route Bayern Munich
alors que AS Roma a rencontré Liverpool dans la demi-finale Ligue des Champions après tirage au sort qui fête matin. Nous invitons à suivre. 11e journée, championnat national football première division a démarré demain samedi à dans Parc Saint-Victor Cap-Haïtien côté ASC Aptan Valencia de Léogane. Cependant, tout Dieu pral fixé sur Ville Saint-Marc côté Baltimore à recevoir tempête pour derby Saint-Marcois. C'est pral pour la 88e fois que d'équipe ça a rencontré. N'a pas souligné que dans classement actuel là, Baltimore positionné li en 8e position à 14 points alors que tempête 4e à 17 points. Dans histoire derby Saint-Marcois, tempête fait 26 victoires contre 25 pour partenaire Peter Jameyo. L'autre rencontre qui a gagné dans la 14e journée, ASM a obtenu Cosmopolite. Petit Gouave à huis clos a poursuivi Afrika du Cap-Haïtien. AS Sud-Est qui part en bonne position dans le classement, a obtenu Wanamit. Dans le parc Jacques-Christophe Léogane, Cavalier qui a besoin de points pour le toquer contre à Christine Football Club de Gonaïve, Real Hop à Kae, et puis tout dans le stade de 14 et 6 clubs haïtiens qui sont dans une situation difficile, a joué avec Don Bosco de Pétionville qui était sous 3 victoires de l'autre. Un coup d'œil en 2e division. Mais quelques matchs qui ont joué dans la zone sud 1 pour 5e journée de compétition. Dimanche 15 avril, Roulado sous ce matelas a poursuivi Exafoot. Aiglon a visité Roulado de la Gonave, Lyonceau a poursuivi Victoria, Club Sportif Saint-Louis Amateur et PNH a poursuivi Violette Athletic Club. N'a pas retourné Pérou côté sous initiative en pays Canada, membre CARICOM yo a bien pour chita parler. Le premier ministre canadien Justin Trudeau après-midi à dans ville Lima capitale Pérou. Quelque temps avant réunion ça, ministre affaires étrangères haïtien Antonio Rodrigue rencontré membre CARICOM yo. Précision Peterson dans micro Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Ariel Duvernay. Objectif rencontre là c'est donc, tout chef d'état président Jovenel Moïse a présidé CARICOM pendant 6 mois ça yo. Et dans le cadre du sommet, en marge du sommet des Américains, il y a un ensemble de pays, comme le Canada, et des parlementaires américains, et d'autres États qui demandent de rencontrer les États de la CARICOM. Maintenant, selon la tradition, comme on fait, avant chaque rencontre, nous faisons un caucus côté que pour essayer d'harmoniser positionnons par rapport à la question, à le sujet qui pourrait le poser. Est-ce qu'on peut partager avec les téléspectateurs, TNHO, quatre points qui pourraient gagner pour débattre dans la rencontre ça? Bon, on connaît son caucus, il y a un sujet délicat pour m'entraîner dans le détail, mais nous connaissons qu'une question, c'est la crise au Venezuela, et il y a une autre question qui est le changement climatique, etc. Même pas éviter d'entrer dans le détail puisque c'est des questions sensibles. Pour le moment, nous avons plusieurs personnalités rentrées là. Est-ce qu'on a identifié quelqu'un pour nous? Bon, bien sûr, nous avons et ministre des Affaires étrangères et Guyana qui est là, Belize qui est déjà dans la salle, Babad, et ils ont commencé à venir puisque la rencontre a commencé dans quelques minutes. Pour Jean Dola, c'est ensemble de pays CARICOM, mais compte tenu de la situation politique, ils ne sont pas venus pour des raisons politiques, crise, le fait qu'ils n'ont pas invité Venezuela, etc. Il y a des pays qui décidé pour faire solidarité et juste pas venir à sommet. Et qui ça, une rencontre comme ça, est capable de tirer là-dedans? Non, d'abord, c'est une question d'harmoniser la position. Dans quelques minutes, nous prenons une rencontre avec le Premier ministre et je veux dire, les États de la CARICOM prenons une rencontre avec le Premier ministre Trudeau et c'est une opportunité pour eux-mêmes pour harmoniser, pour que chaque pays ne parle pas dans chaque direction. Mais forme de tout, le président Jovenel Moïse Claire, non seulement il y a une position CARICOM pour aligner sur lui, mais lui-même, intérêt Haïti, tout l'a obligé de faire le passé parce que le problème Haïti est différent du problème CARICOM. Président République là, Jovenel Moïse a participé dans le 8e sommet américain qui a déroulé 13 à 14 avril sous thème gouvernance démocratique face à la corruption dans le pays Pérou. Conseil supérieur police nationale l'a répondu jeudi 12 avril là, convocation commission justice et sécurité publique Sénat sous question sécurité. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine dans le cadre de rencontre ça, a parlé sous ensemble disposition gouvernement adopté pour garantir un climat sécurité et stable dans le pays. Non, page sport, football, Baltimore contre Tempête Saint-Marc, c'est pour aller rencontre choc, 11e journée du championnat national, première division, 4 fêtes dimanche 15 avril à 7h dans le parc Levelt Saint-Marc. Amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour jeudi. Merci à vous-même qui t'avez suivi le journal. Nous invitons à être branchés à la télévision nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Rendez-vous à la salle des nouvelles là, c'est à 7h pour le téléjournal là. Bon week-end tout le monde.